Bonjour à tous, aujourd'hui mesdames et messieurs, on s'apprête à dessiner en compagnie d'Alice, Loïc et Marine, la Dream Team que vous connaissez bien. Yo. Salut. Salut. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va dessiner des expressions françaises. Marine est de nouveau présente pour servir d'arbitre et d'ailleurs Marine, comment on s'organise aujourd'hui là ? On va s'organiser de la sorte, c'est-à-dire qu'on va... Je vais vous envoyer en privé à chacun une expression. Ouais. Et vous aurez 2 minutes pour la dessiner. 2 minutes ? Ouais, et le but c'est que les autres devinent l'expression et le sens. Ok, bah let's go. Par contre, 2 minutes, ça me semble être vraiment, vraiment très peu, quoi. T'as pas ton avis en, à donner. En termes de minutes. Est-ce qu'on peut avoir 1 minute de relaxation ? Si tu veux. Oh, ça me détend. De relaxation. En plus, la qualité est vraiment... Je suis relaxé. Dans une église, par contre. Dans une église. Bon, j'envoie, ok, t'es prêt ? Ouais. C'est... Le chrono est parti. Le chrono est parti. Putain, mais c'est trop dur ! Quoi ? Mais c'est... C'est indécinable. Oh non ! M'en fous et m'en fous. Plus ratio. Une minute quarante. Ah non, non, mais moi, j'étais dans ma minute de relaxation. Non, mais vas-y. Là. Laisse un peu. Bon, je mets 3 minutes. Ah. N'en profite pas pour te relaxer, tu dessines quand même. Non, mais je peux pas. Je peux pas dessiner ça, c'est tu horrible. Tu peux. Qu'est-ce qu'aurait fait Philippe Etchebest dans ta situation ? Ah, c'est alors, le chauve là ? Oui, c'est le. Alors, c'est le respecte les chauves. Hein. Franchement, Alice, ce que tu dis, c'est très déplacé. Mais non, mais c'est sexy les chauves, j'ai pas dit le contraire. Ah, je me compte comme, dans, comme un chauve aussi. Hein. T'es chauve toi ? Je suis un chauve. C'est de l'appropriation chauve turelle. 2:45. Alice, tu as 15 secondes. Attends, non, mais je viens de tout recommencer. Pendant que vous peignez, Loïc tryhard. Et il a déjà fini son dessin. Oui, mais en même temps, Loïc, il serait peut-être temps qu'il se mette à faire des beaux dessins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aïe, ça me fait mal ce que tu dis. 3, 2, 1. Stop. Attends, attends, je demande un truc exceptionnel. Envoie, je me lève, je vais te botter les fesses. Arrête ! Ah, je me lève. Je me lève. Stop. J'arrête, c'est bon. Stop. J'arrête. Elle est pas sur son PC, on peut continuer. C'est le moment, vas-y. Loïc, il triche. Loïc, t'arrêtes de triche. Ça se voit sur le montage que je n'ai plus touché le dessin. Moi, je sais que tu touches jamais dessin. Gros puceau, hein. J'ai rétabli la loi. Non. Alors, là, déjà, vous devez trouver le nom de l'expression et après ce que ça veut dire. Aïe. Se traîner le pic avec les fagots. Ça veut dire avoir beaucoup de tâches à accomplir. Avoir l'as de pique mal fagoté. Ça veut dire qu'en gros, tu pensais que t'allais faire un bon coup, tu vois. Et en fait, ça s'est mal fini. L'expression, c'était être fagoté comme l'as de pique. Franchement, Alice, je te l'accorde parce que franchement, t'es exact. Enfin, c'est ça, quoi. Oh, mais... trop bien. Moi aussi, j'étais très impressionné par toi, Alice. Ah ouais, franchement. Ouais, merci, vraiment, c'est très gentil. Merci. Allez, au début, je t'aimais pas du tout, mais maintenant, je t'adore. Ah merde. Mais la définition, c'est juste être très mal habillé, mal bâti ou mal vêtu. Ouais, mais elle a un demi-point, pas un point complet. Bah, elle a un point parce qu'elle a le titre, mais elle a pas le point de la définition, quoi. Attention. Quoi ? Moi, je pense que c'est donner son cœur à une vache. Ah putain, mais j'aurais dû mieux faire. Oui, Loïc. Non, mais je viens de me rendre compte que j'avais oublié un détail, mais bon. T'as oublié la queue de la vache, déjà, c'est un peu dommage, quoi. Il y a du sang, donc ça veut dire qu'il vient de perdre son cœur. C'est-à-dire qu'il a donné son cœur à une vache. Non, mais là, tu t'as dit exactement comme Alice. En fait. Ben ouais, mais c'est ce que j'aurais dit. Je pense que c'est faire un truc stupide par gentillesse qui a pas de sens trop. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aurais dit en mode avoir des mauvais goûts en femme. Le titre, c'est avoir le cœur dans le ventre d'un veau. C'est à utiliser face à quelqu'un qui, quoique vous ne le portiez pas dans le vôtre, vous donne son cœur. Donc, la définition, vous êtes proche, donc j'ai envie de vous donner le point juste de la définition. Mais c'est Alice qui l'a. Moi, j'ai dit pas avoir de goût en amour. Bah, c'est un peu ça. Non, tu t'accordes pas le point ? Non, moi, je me l'accorderai pas. Je le donnerai à Alice. Parce que moi, j'étais en mode les femmes, c'est des grosses vaches. C'était un peu sexiste, mais bon. Ah, c'était ça ? Ah non, bah alors je te mets moins un point. Oui, ça sabote. Vas-y, Alice, fais le tien. Bon, désolé. Vraiment, je l'ai fait en 10 secondes. Ah, mais. Oh, ok, j'ai. Moi aussi. Rubis sur ongle. Rubis sur ongle. J'ai dit en premier, j'ai gagné. Hop, les. C'est dépenser sans compter. Avoir rubis sur ongle, c'est. Il va dire la même chose.
Je pense que c'est dépenser sans compter combien tu as. Je crois que c'est payer cash comptant. Oui, c'est ouais, quand tu payes content. Mais je vous mets un point pour moi, le titre. Moi, personnellement, je suis jamais content de payer, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, et bah bravo, vous avez un point chacun. Alice en a deux. Alice, elle nous fume encore. Ok, vous êtes prêts? On peut c'est lancé. Quoi? Putain, mais je comprends rien. Tu t'es pas trompé sur ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Une minute, bientôt 30. Une baguette, pas trop cuite. En vrai, on dessinerait plus vite si on faisait pas nos traits 50 fois. Imagine, t'es là, t'es un musicien, et tu viens sur scène et tu fais... Bah, c'est ça notre vie, en fait. C'est vrai. Cole, tu n'as plus que 30 secondes. Hein. Moi, okay. J'ai fini, je t'ai dit. C'est vrai? Non. Attention. Top, Colt envoie tout de suite. Maintenant, je veux le dessin tout de suite dans le groupe. Ok. Je vais maintenant demander à Alice et Loïc de se concentrer pour me dire quelle est l'expression derrière ce dessin. Alors ça, clairement, c'est faire du yo-yo avec le percolateur. Pardon ? Moi, pour moi, c'est une cafetière à l'italienne, mais bon. Ah non, c'est faire du yo-yo avec la cafetière à l'italienne, alors. Du coup, elle a dit mon truc. Je vais dire confondre son pendule avec sa cafetière. Non, pas mal en vrai. Pour moi, c'est ouais, s'en mêler, tout confondre. Putain, ouais, franchement, moi je pense que c'est se moquer allègrement de la culture italienne. Vraiment, si t'aimes pas les Italiens, tu fais non, mais là je fais du yo-yo avec la cafetière italienne. Yo-yoter la cafetière, pour moi, ça veut dire. Tu viens de le dire ? C'était yo-yoter ? Ça veut dire bégayer. Alors déjà, tu vas bégayer, mais en silence, parce que tu spoiles tout, là. Merde. Du coup, ouais, Alice, t'as raison, c'est yo-yoter de la cafetière. Mais attends, t'as dit c'est yo-yoter de la cafetière ou yo-yoter la cafetière ? De la cafetière. Mais t'as écrit yo-yoter la cafetière ! En fait, ça veut juste dire être fou, donc je peux pas le donner à personne. Donc, qui veut envoyer son dessin ? Vas-y, Loïc. Allez. Vas-y. Ok, ah ça c'est croquer le cerveau ça, c'est qui te rend fou. Mordre un crâne d'enfant. Ça veut dire avoir du mordant quoi, être bon vivant. Alors je vais attribuer un point de titre et c'est Cola. Ouais. Oh donc Cole, tu parce que le titre c'est croquer le marmot. Ah oui. Oui. C'est sexuel. Et... Non. Oula. Ah, marmot, c'est un enfant. Mais non mais genre Alice, marmot genre. Tu... Non mais je veux dire tu pourrais appeler ta quéquette le marmot tu vois. Si tu connais quelqu'un qui fait ça, quitte-le. Ah oui. Le marmot. Oh, elle m'a croqué le marmot. Et en fait, le pour le sens, je peux pas l'attribuer parce que ça veut dire attendre longtemps en se morfondant. Voilà. Ensuite Vas-y, j'envoie. Oh, c'est cool. Vous trouverez pas. Franchement, genre, même moi, j'étais là, alors je vois pas ce que ça veut dire. Ah, c'est des œufs là, dans la poêle. Je sais ce que c'est. Vas-y, dis, Cola. C'est va l'omelette aux gens contents. Si tu souris à la vie, elle te sourit et des choses positives t'arrivent. Mais il a cherché sur Google. Mais c'est beaucoup trop précis, tu va la connais. Va l'omelette aux gens contents, c'est un truc qu'on dit par chez moi depuis que je suis petit. Mais non, mais je suis sûr que c'est ça, son truc. Je peux dire pareil. Mais là, il veut copier, là. Il veut pas dire... Mais c'est pas copier. Tout à l'heure, on a dit pareil. Moi, je pense que c'est cuisiner des œufs au plat pour son ami souriant. Ça veut dire offrir de la nourriture aux personnes agréables. Alors, moi, je pense que je peux attribuer un point à quelqu'un pour le titre. Et c'est Loïc. C'est vrai ? Oui, parce que... Merde. Attends, Cola, vraiment, c'est un truc que t'as inventé ou non, c'est une vraie expression ? Tape sur Google, tu tapes « va l'omelette aux gens contents ». Mais c'est quoi ah, le... aux gens contents ! Jean content, ouais. Il s'appelle Jean, il est content. Non, j'ai que des recettes d'omelette, tu dis de la merde, en fait. J'ai inventé. En fait, je me suis dit, si j'invente... Sérieux ? Et après, j'ai vu que Loïc, il voulait me suivre et j'étais là « Yes, mon plan a fonctionné ». Parce qu'en fait, le titre, c'est « Ri, Jean, on te frit des œufs ». Quoi ? Attends, il y a Jean quoi? Oui. Attends, mais j'ai des points. Oui, mais c'est ce que je disais, j'en content. Alors j'accorde le point aux deux parce que là vraiment c'est trop fort. Genre, oh, la masterclass. Vous voyez, c'est derrière vos écrans, si vous savez pas dans la vie, inventez. Ça veut dire saut qui rit mal à propos. Non mais pourquoi la définition c'est une autre expression? Ok, alors on a 3 points pour Cola, 3 points pour Alice et 2 points pour Loïc. Putain, aïe aïe aïe, l'écart se creuse. Je continue, je vous renvoie des trucs. Ok, attends, Non mais ça veut dire quoi? La la la. Nestlé Crunch.
Non ? Ouais, si. Plus que 30 secondes. Non, 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 non ! Bah, si. Ok, bon, bah, tant pis, ressemblera à rien. Fini. Allez, on envoie très vite. Waouh, mais elle dessine trop bien ! Pisser dans des pots ! Non, c'est pas des pots, ça, c'est. Non, des cruches ! Pisser dans des cruches, ouais. On dit ça à quelqu'un qui est irrespectueux. Pisser comme Jean Lapisse. Cola, ça a peut-être marché le tour d'avant, mais là. Ouais, mais pisser dans les cruches. Hein. Il va à tous les râteliers, quoi. Le titre, c'est Être un pisse trois gouttes dans quatre pots de chambre. Incroyable! Voilà. Wow. Elle a vraiment fait ça! Et la définition, c'est quelqu'un qui en fait des tonnes pour un résultat quasi nul. Maintenant, au suivant. Au suivant, vas-y, je mets le mien. Oh, il est trop Oula. Beau! Wow. Avoir la poire qui pue. L'expression, c'est il faut pas avoir peur du poirier, mais de la grosse poire. Ça okay. veut dire que, en fait, faut pas avoir peur du truc qui génère un petit truc. Avoir peur de la poire chaude. On dit ça à quelqu'un qui a peur pour pas grand chose. Loïc, je te mets un point pour le titre, c'est poire d'angoisse. Ah oui, d'accord. À l'époque, ils utilisaient une poire de fer dans la torture pour garder les bouches ouvertes. Ah. Voilà. Donc zéro chacun, quoi. Je croyais que j'étais à côté. Dans le titre, côté de la plaque, oui. Le titre, t'as eu un point. Donc ah oui, d'accord. Okay. Et ensuite, il manque le dessin de Loïc. Bon, de toute façon, vous allez rien trouver. Ah oui. Je pense que c'est se faire menacer par une toute petite flamme. C'est te sentir menacé par un truc de merde. Tendre le feu à Jean n'en veut pas. D'accord. La définition, c'est de faire un truc qu'on t'a pas demandé de faire. Eh ben, c'est zéro chacun. C'était en fait faire des gorges chaudes. Le sens, c'est se moquer méchamment avec joie et devant beaucoup de gens. Si je peux me permettre, le dessin est vraiment nul à chier. Non mais oui, je sais. Regarde la main, cette main. Elle est inversée. Ok, j'envoie et je lance le chrono. J'ai aucune idée. Je sais pas comment dessiner ça. T'es sûr qu'il manque pas une lettre? Il manque pas de lettre. On a vraiment pas le droit d'écrire. Onomatopée quoi. Onomatopée quoi. Plus que 30 secondes. Oh putain. C'est bon, stop. J'ai fait le maximum. Franchement, c'est pas mal. Contourner la table et venir s'asseoir. Je sais pas. C'est-à-dire tu dois quitter là où t'es bien pour venir ailleurs. Faire s'asseoir okay. les gens confus. Ça veut dire, lui, il serait capable de faire bouger hein, quelque chose qui a pas besoin de bouger. Quoi. Franchement, là, c'est pas bien. Hein. C'est zéro pour tout le monde. Hein. C'est convoquer l'arrière-ban. L'arrière-ban ? Et c'est ça qu'il a dessiné, là. Ça, c'est l'arrière-ban, ça. Ça veut dire s'adresser à tous ceux dont on espère de l'aide. Donc là, c'est dommage, c'est pas de point. Allez, au suivant. Bon, moi ça va être un speedrun, parce que là, vous allez trouver en 2 secondes. C'est parti. Crier à Ro. Bah, je sais pas, crier à Ro sur quelqu'un. Oui, bah c'est ça. T'es déjà triché un peu, ça. Franchement, quoi, là, c'est pas cool. Hein. Loïc a dit, je peux écrire le mot, je lui ai dit non. Et toi, tu as écrit le mot, t'as dit, bah moi, je fais ce que je veux. Non, non, ban, ça veut dire un truc et c'est un objet. La arrow veut dire crier quelque chose. Arrow sur quelqu'un, c'est. Je suis obligé de dessiner arrow. Enfin, je suis obligé d'écrire arrow. Ça veut dire quelque chose, arrow. Ah bon? C'est-à-dire quoi? C'est un bébé? Bah, je donne le point à Alice, mais franchement, Cole, tu fais pas ça. Et définition, du coup? Engueuler quelqu'un pour rien. Je sais pas ce que ça veut dire, arrow. Moi, je pense que c'est engueuler quelqu'un qui est plus faible que toi. Moi, je dirais se moquer d'un bébé, parce que bon, tu fais... Ah. Enfin, crier arrow lorsqu'un bateau, un bateau d'eau, se faisait couper sa bourse ou un chevalier arrachait son manteau. Et maintenant, c'est le dessin d'Alice. Content qui s'éclaire, lui. Jean content qui s'éclaire lui. Non mais je sais pas, oui, heureux d'être éclairé. J'irais se jeter des fleurs. Moi je dirais de pas être difficile à se rendre heureux, quoi. Je peux pas accorder 2 points, hein, parce que le titre c'est s'enluminer la trogne. Le sens c'est de se bourrer la gueule. Quoi? Ah ouais. Voilà, ok, vous êtes prêts? Oui. Je lance. Ok. Là vous avez tous une super expression. Moi elle est connue celle-là quand même. C'est quand la dernière fois que tu l'as entendue? Dans le train pour aller à Paris. C'est vrai? Ouais, il y avait une dame qui disait j'ai les couilles qui me grattent. Au fichtre. Oh Alice, le langage. Attention, plus que 10 secondes. 3, 2, 1. Stop, stop, stop. Il est foiré. Allez, on envoie ces trucs. Et c'est Cole qui va commencer. Oh non, mais j'ai pas eu le temps. Je sais.
Ok, ok, bah voilà, je mets la mienne. Oh merde. Oh, il est beau. Et du coup, vous dessinez là où je rêve, Alice et Loïc? Non, c'est bon, je suis en train de recadrer, c'est tout. Ils sont 100% en train de dessiner. Ils sont ils ne regardent pas ton dessin, vous trichez. Non, 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 mais attends. Dis mon cœur dans ce dessin. C'est bon, je l'ai. Dis mon âme. On n'attrape pas une ruche. Ni avec un bâton, ni avec une lampe à insectes. Pas mal. Pas mal du tout. On n'attrape pas une ruche avec un bâton, et ni avec une lampe à insectes. Je vais dire confondre une ruche avec une lampe. Mais non, attends, c'est confondre les vessies et les lanternes. Trop tard. Trop tard, t'as donné ta version. Pourquoi elle avait sa version? J'avais pas l'idée. On dirait qu'elle a vu que je me rapprochais du truc et... Oh. Et du coup, le sens? C'est confondre les choses. Je sais pas. Bah, merci Loïc, super. Bah oui, c'est confondre des choses. Si tu donnes pas le point à Alice pour avoir trouvé la bonne expression, tu peux pas donner le point à Loïc pour avoir volé le sens de l'expression après. Ouais, avoir... là, oui, mais, Loïc, il se rapprochait. Alice, elle a validé et ensuite elle s'est rétractée. Non, j'ai jamais dit je valide. Tout le monde a le droit de se tromper, c'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons. Loïc, tu t'en penses quoi? Non, mais après, c'est vrai qu'elle a trouvé l'expression exacte. Enfin, si c'est bien ça? C'est exactement ça, ouais. Elle l'a trouvé. Bon, bah, alors, je lui donne, mais la prochaine fois, quand c'est validé, c'est validé. Mais par contre, vous n'avez pas le sens. Ah. Ça veut dire... Ah bon? Se tromper sur ses appréciations, se faire des illusions sur des choses ou des gens. Oh, je savais pas. Au suivant. Ok, bon. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est trop bien, c'est exactement ça. On n'attend pas la boîte à cigares. Pas un pressé qui n'a le coffre. Allez, je veux que vous validiez chacun une expression là. Ok, bah moi je pense c'est attendre son coffret de cigares. Et toi, Cole? Le pain pressé. Jean le pain. Pressé d'avoir Jean le coffre. Tu valides ça? Ouais, Jean le pain pressé du Jean le coffre. Non, ça veut rien dire. Du Jean le pain, pas le pou. Non, valide une phrase qui est française au moins. Attendre, pressé comme un pain auprès du coffre. Okay. Je pense que c'est attendre près d'un truc qui arrivera jamais. Ah, c'est pas mal. Moi, je dirais attendre, mais ne pas se rendre compte d'être juste à côté de son objectif. Eh bien, j'accorde un point pour Cole pour le titre, parce que franchement, t'es proche. C'est s'ennuyer comme un crouton de pain derrière une malle. Quoi? C'est trop bien. Apparemment, le sens, c'est notre nouvelle expression préférée, parce que ça veut dire t'as tout dit. Enfin, tout est dit. Ah oui. Ah ouais. Donc maintenant, si quelqu'un dit... T'as tout dit, je ne veux plus l'entendre. Je veux entendre. Il s'ennuie comme un crouton de pain derrière une malle. Mais quel rapport? Mais avec plaisir. Je comprends pas le rapport non plus. Mais... Et situation, ils disent, se dit de petits enfants un mercredi après-midi pluvieux, loin de leurs grands-parents. Attends, mais non, mais la définition, c'est ça, du coup, c'est s'ennuyer. Ah non, moi je préfère la version t'as tout dit. T'as tout dit. Et ensuite, il reste un dessin. Il reste Alice. Allez. Je fais bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Bon, bah, je l'accorde à Loïc. Yes, bravo Loïc. C'est faire les choses trop vite et pas faire attention à ce qu'on fait. C'est ça. Bah, je valide comme Cola, pareil. Bah alors je vous donne un point chacun parce que c'est ça. C'est tout jeté sans prendre la peine de distinguer le bon du mauvais. Et bah pour l'instant, on est sur vraiment une égalité parfaite entre chaque. Là, il vous reste une expression chacun. C'est lui qui gagne. Il a tout gagné. Non. Oh là là. Ok. On remet tout en question là. Oh non, attendez, il y a mon chat. Il chie quoi. Oh, il est long. Il gratte pendant 1000 ans. Vous l'entendez là? Oui, alors attends. Ouais. Bon, on peut parler en attendant. Alice. Oh, pardon, j'oublie qu'on s'enregistre. En plus, elle a roté, mais genre, elle a vomi un peu. Ouais, j'ai un peu vomi, ouais, dans ma bouche. Là. Ah, c'est bon, il a fini. C'est bon. Bravo, Rookie. Allez, oui, j'envoie, vous êtes prêts? Attends, je dessine Alice. C'est bon, je vous envoie. Pas mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Alice. Pas mal. Pourquoi j'ai des antennes? Mais c'est tes cheveux. Est-ce que t'as déjà vu Alice en vrai? Je suis laide de ouf en vrai. C'est quoi? Pourquoi j'ai des joues rentrées comme Giga Chad là? Bon, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Vas-y, moi je suis prêt. Je suis prêt. Allez, j'envoie. Oh. Allez, je démarre le chrono. Oh merde. J'ai 56 ans. C'est dur. Oui, c'est risqué, Cole, ton truc. Plus que 10 secondes. Oh là 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 là. 3, 2, 1.
Stopito della stoppa, stoppati. Stop, on a... j'entends les stylés écrire. Non, 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 non. J'entends les stylés. C'est bon, j'envoie, j'envoie. Si vous ne réagissez pas, c'est que vous ne regardez pas, que vous êtes sur votre tablette. Je suis pas en train de regarder, je suis en train de dessiner. Ah, il avoue. Il avoue. Allez, pourquoi moi je suis tant que les autres là? C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est un t-shirt acheté, un chaton offert. C'est pas une expression, c'est une offre. Ça, trop bien, j'achète. Un chaton dans la poche. Mais non. Ouais, un chaton dans la poche. Je veux des validations. Je veux mais pourquoi il des... y a un prix? Non, bon, je valide coudre une poche à chaton. Ok, et donc stop à Loïc. Acheter une poche à chaton. Et ça veut dire faire de la place pour quelque chose, faire de la place. Ok, et Loïc? Moi, je dis dépenser pour des choses futiles. Je vais donner un point à Loïc pour le titre. Ouais. Parce que c'est acheter un chat en poche. Franchement, le sens de Loïc aussi, c'est proche. En fait, ça veut dire acheter quelque chose sans vérifier l'objet de la vente. Mais en fait, c'est se faire avoir. Donc Loïc, il a un point. À toi, Cole. Envoie ton petit dessin. Quoi? Oh merde. C'est juste un mec. Attends, pourquoi il a le front en comme ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as pu faire ça? J'ai fait ce que j'ai pu. Pas Jean-Claude Van Damme. Bah là, franchement, good luck. Ok, moi je pense que c'est avoir une tête de pain sucé, je pense que c'est. Quoi? De pain sucé? Je suis sûre que c'est ça. Et vas-y, Loïc, c'est quoi pour toi? Ah, il est chauve? Non, il a, pour moi, il a des cheveux, il y a des traits. Loïc, il faut que tu me donnes une expression. Sinon, je barde. Hein. Sortir triste de chez le coiffeur. Ça veut dire que t'es pas content de ce qu'on t'a fait. Je sais pas. Je et sais Alice pas, j'ai aucune idée. Avoir une tête de pain sucé, c'est juste que t'as l'air con. Franchement, je peux accorder aucun point, mais franchement, Cole, t'as chié là. C'est quoi ça? En fait, c'était juste chauve comme genou. Il a dessiné un genou sur un front. Je me suis dit, mais c'est dur à dessiner un genou. Oh merde, dommage. Pour l'instant, Loïc gagne tout. Hein. Il a toujours un point de plus que tout le monde. Ouais, oh mais là, non. Je peux pas marquer de points sur le prochain, donc je l'envoie. Un gros moine gras. Être bien nourri comme un moine dans une église. Allez, je veux que ça valide là. Bondu comme un gros moine. Voilà, je valide. Être une toge sur un moine replet. C'est-à-dire que tu manges bien. Bien mangé, ouais. Et alors, le sens, je l'accorde aux deux parce que c'est exactement ça. Mais l'intitulé, il y a quelqu'un qui a gagné. Et c'est Cola. Yes. Ouais. Oh ouais, bravo. Ça fait que Cola a 2 points contre 1 point chacun. Loïc Alice, donc Cola, tu es le grand gagnant ultime. Nice. De... Let's go. Bien joué, bien joué. Oh, let's go. Pour fêter ma victoire, je vous propose 1 minute de silence. Je me sens si apaisé. Non, attendez, du coup, vu que c'est moi qui ai gagné, je suis le roi et j'ai autorité sur vous. Donc je vais tous vous envoyer une expression et vous allez devoir la dessiner en moins d'une minute. Mais moi, je fais comment? Et toi, tu vas la dessiner sur Paint. Non. Si c'est une punition sur... parce que tu nous as fait souffrir et t'as choisi des points et tout. Non, si, mais je vais pas la dessiner sur Paint. On a un truc différent? Ouais, hop là, c'est parti. Oh mon dieu, en une minute. Une minute, c'est parti. Bah voilà, j'ai fini. Et Loïc, franchement, je t'ai fini le pire. Hein. Ça va être chaud là. Vas-y, ouais, j'envoie. Attendez. Il est pas simple le mien. Ça y est. Ok. Il est trop bien. Alors moi, je dis sucer le bout du cornet de glace. Et toi, Loïc? Prendre le cornet par le mauvais bout. Eh ben, c'était pas ça. C'était sucer la glace par le cornet. Bah, c'est ce que j'ai dit! Bah, prendre le cornet par le mauvais bout. Ouais, c'est pas mal. Je vous accorde tous les deux le point. Et pour le sens? Ça veut dire être con. Ça veut dire, ouais, pareil, stupide. Ouais, c'est ça. Ah, con, stupide. C'est pas mal, c'est ça. Vas-y, envoie, Loïc. Là, vous allez peut-être pouvoir trouver grâce au contexte, mais sinon. J'envoie. Oh my god! je pense pas que vous allez trouver. Manger un ramen. N'importe comment. Moi, je pense que c'est manger de la merde à la cuillère. Ça veut dire que tu es un cochon. Ouais. Un gros scato, ouais. Non, c'est pas ça. C'était se mettre la rate au courbouillon. Oh my god. Cette expression s'adresse en fait à une personne stressée par une situation, contrariée, soucieuse, inquiète. Bah regardez, j'ai dessiné l'inquiétude. Ah non, mais il est pas inquiet, il est con. Il a les yeux qui piquent et tout. Il a l'air surtout con. Je vous envoie mon chef-d'œuvre. Oula.
Pas mal, pas mal. Se claquer les fesses. Alice. Applaudir. Avoir les fesses qui font bravo. Pas mal. L'expression originale, c'est ça. Vas-y, c'est quoi le sens? Avoir peur. Et toi, Loïc? Je vais dire avoir froid. C'était avoir peur. Oh non. Eh ben, très bien. Eh ben, bien joué à vous. C'était très très bien. Ouais, bravo. Go s'en faire d'autres avec d'autres trucs, c'est toujours cool à faire ça. Merci beaucoup pour votre présence à tous les trois. Bah, merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé. Et nous, on part pour une minute de relaxation. Ouais. Ah. Ça fait du bien. Après tous ces dessins immondes.